Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout de suite, on va monter ensemble le numéro 117, 118, 119 et 120, générique. La plaque qu'on a reçue dans ce numéro, donc le fascicule. Rien à faire, c'est donc la plaque, l'emplacement de la plaque. Et la partie finale. Et bien c'est parti. Bon, on prend donc le paquebot, on va prendre donc la plaque. Et la plaque, on va la mettre. Faut que je regarde parce que vu que le bateau il est donc à l'envers pour moi, donc comme ceci, voilà. Alors, ce livre il nous demande comme ça, et moi, vu que le bateau il est donc à l'envers, donc moi je le mettrai comme ceci, et on va le mettre donc. Chute ici. Hop. Ensuite, on met donc 3 vis, non, 3, 4, 5, 6 vis AM. Donc, voilà. Une là à côté et une là, pareil, donc de l'autre côté. Et ensuite, on le retourne, mais ça, on verra ça après. Allez, c'est parti. Donc, voilà la plaque qui est installée. On va le retourner parce que j'avais dit qu'il faut mettre 2 vis en dessous. Mais non, non. On va juste vérifier en dessous, voir comment ça. Ça correspond, juste voir les placements de connecteurs d'alimentation. Je vais le retourner. Voilà, donc les placements sont impeccables, rien à dire. Ok, super. Visible au centre des cercles blancs sur la photo ci-dessus, en bas à droite. Impeccable. Donc voilà, bah écoutez, le numéro 117 est terminé. Tout de suite, numéro 118. Numéro 118, les pièces. Voilà, c'est ce numéro. Ah, donc les cloisons de la salle des machines, le montage. Et la partie finale. Et voilà, ben, c'est parti. Alors, on va commencer par cette plaque. Celle-ci, on va la mettre juste ici. Où il y a les trous là. Juste là, il y a une note juste ici. On va le coincer donc à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on va les fixer. On va fixer cette plaque là avec deux vis NP. Ensuite, on va prendre celle-ci. Celle-là, on va la mettre. Hop. Juste ici. Et pareil, donc deux vis ici. Et ce sera donc deux vis AP. Donc voilà, les deux plaques, ils sont installés. Donc cette première, je répète, deux vis NP et celle-ci, deux vis AP. Allez, on passe au numéro 119. Numéro 119, donc les pièces, la grosse pièce qu'on a reçue avec les deux petites barres, avec la barre qu'on avait reçue dans le numéro précédent, numéro 100, 118. On va s'en servir dans ce numéro. Donc le fascicule n'a rien d'important. Hein. Voilà donc le plafond de la salle des machines. Et la partie finale. Et voilà, on va ramener tout de suite le paquebot qui est juste là. Alors, on va prendre donc celle-ci. On va la retourner. On va la retourner comme ceci. Et on va la placer ici. Voilà. Vous avez vu là? Je ne sais pas si vous voyez.
Il y a des, ce qu'on appelle ça, des parties, on va passer comme ça. Là, pareil, pour l'enfoncer en fait dans les trous qui se trouvent ici. Oula. Tout notre temps. Et bien, donc dans les trous, ici pareil, donc impeccable. Et ensuite, et ensuite, on met donc les barrières. On va mettre déjà celle de 118 ici et les autres. Hop. Voilà, donc voilà pour ça. Donc voilà pour le numéro 119. On passe au numéro 120. Numéro 120, dernier numéro de cette vidéo. On passe tout ça. La traverse avant. Donc le montage. Voilà, et la partie finale. Et les go. Alors donc, on va prendre celle-ci, une des deux pièces là. Alors on va en mettre une juste là. Et mettons deux vis. Ce sera deux vis AM et pareil, hop, de l'autre côté. Donc voilà, ces deux pièces-là sont installées. Ensuite, on va prendre celle-ci, on va la mettre juste ici. Et vous mettez donc 4 vis AM, donc deux là et deux là. Donc voilà pour celle-ci. On continue donc avec celle-là, mais il manque une pièce, moi. Alors, attendez. Non, non, il n'y a pas d'erreur en fait. C'est moi qui a avancé d'une étape. Mais bon, voilà. Donc cette étape-là est terminée. On passe à l'étape suivante. Alors ensuite, on va démonter. Voilà, vous ne l'avez pas. Celle-ci. D'accord, on va démonter celle-ci car on en a besoin pour celle-ci. Donc voilà, je l'ai enlevée. Elle est juste là. Ensuite, on va prendre donc celle-là. Ouais, un problème parce qu'il n'y a pas de. Putain, on devait la mettre comme ceci. Mais en fait, dedans, il n'y a pas de trou. Ça y est, j'ai trouvé. En fait, c'est pour ça que j'ai sauté une étape. Celle qu'on a installée. Alors, attendez, hop, je vais la montrer. Celle-là, en fait, elle va. Ici, c'est celle que j'ai dans les mains. Voilà. Et la place que j'avais dans les mains. Et donc, celui-ci, elle va aller ici. Allez, je vais faire un échange et je reviens. Voilà, en fait, c'est même pas moi qui me suis trompé. C'est le schéma qui est assez bizarre parce qu'il nous a bien demandé donc de mettre celle-là, que je viens de réinstaller parce que j'avais fait une erreur. Donc, il me demande bien de. Demandez bien pardon d'installer celle-là pardon. Ok, ici. Et ensuite, il nous demande de l'enlever, en fait, pour la mettre de l'autre côté. Et de mettre l'autre à sa place. Donc ça peut. Enfin bref. Un peu du n'importe quoi, mais bon. Parce que ils ont vu que ils avaient fait une erreur. Hop, j'ai enlevé les vis à l'intérieur. Voilà. Donc c'est bon.
tout s'arranger. J'ai peur parce que je pensais que je n'avais pas reçu. Donc, celle-là, avec celle-ci, vous la mettez donc comme ça. Et ici, donc, deux vis. C'est deux vis AM. Donc, voilà. C'est mise. C'est bien. Alors, donc, on va la mettre comme ceci. Voilà. Et on va mettre donc 4 vis AM. Donc, de là et de là. Donc, voilà pour le montage. Voilà donc pour le montage du Titanic numéro 100, 117, pardon, jusqu'au numéro 120. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite donc pour une nouvelle. Salut!